Space Mario, donc nous retrouvons la suite de Final Fantasy Tactics Advance. Donc la dernière fois nous sommes arrêtés après que j'ai changé de job certains personnages et que mon blaireau avait un équipement de merde à cause que je n'ai pas assez d'équipements différents. Et donc il risque de prendre cher. Ça on va le foutre un peu en reculant. Attends, lui, ça, l'exorcisme, ça lui sert à rien, j'ai envie de dire. Je vais lui apprendre ça. Ça sera beaucoup plus pratique. Et il sera beaucoup plus puissant. Alors, l'exorcisme lui sert à rien. Vu que j'y prends la technique là. Ah oui. Ah mais non, mais je pourrais le mettre. C'est genre, c'est que en général tu peux pas mettre plus de perso. Donc t'es obligé de faire un choix. J'ai presque terminé mon expérience. Qui êtes-vous? Comment osez-vous me déranger? Arrête, ça suffit, tu bloques le passage avec toute cette neige. Voilà, nous avons un nouvel objectif, c'est détruire les cibles. En gros, dans certaines missions, t'auras des objets à détruire. T'auras beau tuer tout le monde, du moment que t'auras pas détruit toutes les cibles, bah... la mission se finit pas. Là... nous avons la technique que je préfère le plus chez les moines blancs. Fluciel. Il peut attaquer à distance. Je sais plus c'est quoi les loins. Ah, ça ralentit, ouais. Autant attaquer physiquement, hein. Bon, là, elle a une rapière puissante, c'est pour ça qu'elle fait autant de dégâts. Normalement, je lui fais apprendre d'autres compétences, mais sur le coup, j'avais que ça sous la main comme rapière pour y faire des allers-retours entre la ville et là. Transpercement. J'ai vu 0% de chance. Je sais pas c'est quoi qui joue pour faire les dégâts avec les techniques, du moins pour augmenter la précision, mais. Il a level up. Ah merde. Ah Shizen. Ah merde, j'ai oublié de vous foutre les techniques de combattant. Lui des baisses distance maintenant. Ah dommage, manque 6 points de vie. Du moins 3 maintenant. Gelato. Il y en a un qui va avoir mal. Deux même. Non, juste un. Eh oui, la glace est interdite. Carton jaune. Il y a un truc à vérifier quand vous avez la technique fluciel. C'est vous regardez les dégâts au corps. Puis vous regardez avec les dégâts fluciel. Parce que quand vous changerez d'arme, souvent fluciel sera plus puissant qu'une attaque au corps à corps.
T'attaques lequel des deux? Que couche panier de guépard. J'appelle ça des licans, mais en fait c'est des guépards. Est-ce que ça passe ou ça fait louper? Ça passe à la limite du cheveu de poil de cul. Alors, était plus haut, ça aurait pas passé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, mon petit gelato? Oh, il va se soigner. Ah, il a pas survécu à deux attaques. Normalement, là, vu qu'il a tué quelqu'un, il doit se prendre un carton rouge. Mais les PNJ ne peuvent pas se prendre un carton rouge. Les PNJ ennemis. Car c'est des bâtards. Parce que quand une des actions qui est interdite conduit à une mort d'un personnage, c'est carton rouge. Non, j'avais trouvé le moyen de fabriquer de la neige. Sur ces trucs, la magie ça fonctionne pas. Avec les dégâts physiques, ils peuvent les tuer. Et ils rapportent pas d'XP en plus. Bon, là je vais pouvoir aller en ville me changer mon stuff. Fallait demander la permission aux villageois d'abord. Et si j'ai le deuxième spectre de feu? Si. Avec une épée puissante en plus. Velasquez, mage blanc. Et allons en ville. Ah, cinématique. À quoi tu cupo, blaireau? Oh, je pensais juste à notre prochaine mission, je me demande si elle sera facile. Terre d'y prendre goût? C'est vrai, ces combats sont marrants, non? Là d'où je viens, ça n'existe pas. Je rêvais d'utiliser la magie de tuer des monstres. Oui, alors pourquoi tu veux rentrer? Sauf que là, c'est réel. Oh, reste dans mon monde, on pourra devenir le meilleur des clans. Oui! Le meilleur des clans, tu crois? Quoi? Tu es le garçon le plus copeux que j'ai jamais rencontré. Tu étais aussi courageux dans notre monde? Ou peut-être que tu ne me connais pas assez pour répondre? Non, mais non, c'est juste que... Tu peux me dire la vérité, on est amis maintenant. Mais c'est vrai que les règles ici sont un peu bizarres. Quand j'ai vu Risa Nusbo, je me suis dit, j'ai enfin rentré chez moi! Je pensais qu'elle m'aiderait à partir d'ici, mais j'avais tort. Normal!
Blaireau, c'est Blaireau, et Ritz, c'est Ritz. Tu dois seulement obéir à tes propres cupos. Mais je suis quand même surpris et déçu. Est-ce que je reviendrai chez moi un jour? Est-ce que le monde restera toujours comme ça? Mon Xay, inutile de cupo. Pourquoi tu veux rentrer? Il est tellement mieux, ce monde. Si tu veux, on échange de place. On échange de place quand tu veux, mec. Moi, je suis OP hein, pour changer de place. Un personnage qui est haut level qui doit le faire, c'est lui. J'ai pas le lien blanc encore. Deux combats. Je regarde s'il n'y a pas de mission qui me demande. Non. Pendant 10 jours, j'ai pas le droit à une personne qui est là-dedans. Funeste désert, ça c'est la mission scénar. Ah là, des nouveaux objets. Ardeur. Bolgi, tu veux le bouclier, voilà l'accessoire. Ah là, les trucs intéressants. Grosse bénite. Grosse pure pour les altérations d'état. Les spectres élémentaires qui me manquaient. On s'en fout. Ah merde, j'étais dans les arcs. Non, parce qu'il coûte cher l'arme là. Ouais, donc normal l'autre va bientôt apprendre la technique charge, donc on va lui apprendre la lame. Comme ça. Ah non, lui, je l'ai toujours pas changé de classe.
que les champs avec les élémentaires, bah, comme son nom l'indiquait, sont élémentaires. Je vais vite faire un peu de rangement dans l'inventaire. Ça ne va pas me prendre trop de temps. C'est foudre et glacier. Foudre et glacier. On n'a rien par là-bas. Ah, j'ai pas le droit d'attaquer. LOL. La pire loi qui existe au monde. Vous n'avez pas le droit d'attaquer l'ennemi. Objet, ça je m'en fous. Ah! Une mission particulière où t'as un boss. Alors là, faut vraiment prendre en priorité les personnages que t'as envie d'XP, quoi. Donc lui. Et avec un peu de chance, peut-être qu'il a des trucs intéressants. Prendre obligatoirement un mage heal, parce que ils font mal. Et prendre le perso principal. Il a rien d'intéressant à voler. On m'a repéré, il ne me reste plus qu'à me battre. Sale voleur, ces poules ne sont pas à toi. Le mec, il a volé des cocatrices. Pourquoi faire? D'abord, ça. Bien sûr, mon but, c'est pas de le tuer le plus rapidement possible, donc j'y vais pas avec mes techniques les plus puissantes. Et 14 points d'XP. Ce qui est chiant, c'est qu'il a contre-attaque. Tapez comme une mouche. Oh là là. Y'a que mon humour qui peut faire des dégâts. Sinon, j'en ai pour 3 plombes pour le tuer. Au revoir mon mon mug. T'auras donné un coup. Voilà. Au revoir. J'ai en train de faire gaffe à ce que je fais. Bon bah. Minable. Dommage, je voulais que ce soit mon mug qui gagne le plus XP possible. Il a pu toucher à peine une fois. Merde. Ça me trouve le cul sur ce coup. S'il se fait tuer avant que j'ai pu au moins lui achever un minimum ses points de vie, je suis dans la merde. Là, je l'achève pas, je suis un peu dans la merde. Bon, d'habitude, j'aurais éternisé le combat plus longtemps, mais bon, là, fallait que je l'envoie. Ouah, boss. Là, fallait que je l'expédie, là, le combat. Parce que j'étais dans la merde. Dans une grosse merde.
Voilà, je savais qu'il y a un nouveau truc qui allait apparaître dans les rumeurs après celui-là. Ah oui, chaque mission a des quêtes différentes. Bon, on va faire passer une mission où il me faut du temps parce que là... Sinon, il va me manquer plein de gens pour la quête. Épée. Ça m'aura pas dérangé vu que j'avais pas d'épée, mais... Feu folie, bah je peux faire les missions qui sont là. Tout le monde est revenu. La parel, non, je m'en fous. Il manquait pas grand chose. Là, faut que je prenne mon mal. Lui, il est un peu trop level up. Ah, ça, c'est son statut, je voulais voir. Non, un repère du fourmillon. On n'a pas le choix. En avant. Éliminez tous. C'est moi, je viens de voir un chiffre aberrant sur ses points de vie. À quel niveau les mobs? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Ouais, là je vais me faire de l'XP sur cette map, apparemment. Sauf qu'ils vont faire très mal aussi, les mobs. Lui, il faut l'attaquer à distance pour éviter de se prendre une contre-attaque dans la tronche. Et j'ai pas de heal dans ma team. Ouch. Oula. Je sais pas combien de dégâts je vais me prendre de coups. Ouh, le coup critique. Oh, le coup critique, il sort au bon moment. Oh putain. Je suis sûr qu'il m'aurait touché en dégâts de contre-attaque. J'en suis quasiment sûr. Mais il y a un mec qui est insensibilisé face à ça, c'est lui. Pour ça que j'aime bien, c'est Charge. Le mec qui a contre-attaque, rien à foutre. Parce que regardez ce que fait Repousse. Et je l'ai placé une case. Et donc le mec peut plus me contre-attaquer dans la gueule. Voilà pourquoi je la prends au mec, la technique charge. Elle fait rien de plus, juste décaler un peu le mob. Les formulants sont très chiants parce qu'ils ont une tactique de zone. Tout autour d'eux, bah tu te prends cécité dans la tronche. Et pour mes gars d'attaque, c'est très très chiant. Cécité. Faudrait-il que je le passe déjà en animiste en fait, pour qu'il apprenne des techniques. Pourquoi je fais ça?
Parce que lui, il a un bouclier de glace qui absorbe la glace, comme ça il peut gagner une XP. Ah là! Ouais, je vais lui apprendre. Je vais peut-être déjà le passer en ennemiste. Avant de le passer en voleur. Pour qu'il ait des techniques à. Loop! Le one shot! Je savais que l'ennemi ferait mal, mais. Pas ce point! Pas ce putain de point! Alors lui c'est ma cible prioritaire, alors cherchez pas, hein. Je viserai que lui, je vise personne d'autre. Ah faut que je le tue, le mec il fait des 4 de dégâts, il vient de moins de chat pour mage. Mon pas mon mage mais mon putain mon moine. Ah je peux pas le laisser en vie après ça. Bon, eux font pas trop mal encore. Merde, il bouge avant. S'il attaque mon blanc, je suis dans la merde. J'ai aucune chance de résister. Connard. Là, pour être très honnête, je suis dans la merde. Lui, il faut vite fait que je le tue, il fait un peu trop mal. Ouh, allez, coup critique dans ta gueule, connard. Ressens la vengeance de ma Viera pour les deux morts que tu as causées. Ressens la puissance de ma Viera. Je voulais attaquer lui, mais quand je vois contre-attaque, je me dis nap, non, toi je t'attaque pas. Je peux pas te déplacer d'une case donc je peux pas utiliser la technique de charge pour gruger. Bon, le danger est mort. Le gros danger, du moins. Ah, qu'est-ce que ça manque contre-attaque sur ces mecs. Prol, je m'en occupe même pas encore pour l'instant. Pour l'instant, pour moi, il n'existe pas, ce mec. Tu me sors un autre magnifique coup critique, ma petite Viera. Ah, j'ai des doutes, mais bon. Elle a déjà sorti deux coups critiques, c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire. Ah la vache, le compteur des KO, comment il va monter rapidement. Ouh. Putain. Fais chier. Putain d'égalateur de merde. Putain, j'ai plus que 3 personnages en vie quoi. La moitié de ma team a déjà été décimée.
C'est dangereux ça. Alors je vais pas le faire. Elle a 90% de chance de crever. Avec ma chance. Lui il peut rien faire, lui il est tranquille dans son coin. Tu viens pas me faire chier. Putain, c'est un voleur, il devrait un minimum pouvoir esquiver. Oui, merci d'esquiver, connard. Ah non, bah c'est Blaireau qui va s'en occuper, hein. Je vais pas gâcher 21 d'attaque sur un mec qui lui reste une dizaine de points de vie, hein. Ah, je suis pas con non plus. C'est la première fois que j'en suis autant sur ce jeu. Je dois bien avouer, c'est la première fois que j'en suis autant sur ce jeu. C'est la première fois que j'ai autant de KO en si peu de missions, quoi. Eh putain, je me suis précipité dans la tronche. Bon, par chance, il a ce que je pense. Prenez soin. Comme ça, hop, j'ai pu s'exciter. C'était pas pour le heal, c'était juste pour une nécessité. Parce que j'avais aucune chance de toucher avec cité. Dégâts au hasard, ouais. 25%, c'est le milieu. Il peut faire comme le double, comme que dalle. Et par chance, il m'a loupé. Oh putain. Ah. Avec la chance, je vais faire que 13. Non, c'est bon, je fais plus pour le nombre de dégâts. Bon bah en tout cas eux ils auront bien XP, j'ai envie de dire, hein. En gros Tennessee, je crois que c'est le mec qui va partir faire une mission, hein. Parce que là l'avance de Tariq il a sur les autres là. Ah bah oui, là c'est sûr. Vas-y, tue-le, je m'en fous, il a level up. Comme ça, je suis sûr, c'est lui que j'envoie à faire une mission longue. Comme ça, c'est pas grave si... Je me sers des missions longues, justement, pour les mecs qui sont trop level up, pour qu'ils puissent quand même apprendre leur technique, parce que quand vous les envoyez faire des missions à côté, ils gagnent quand même des points de compétences, donc ils peuvent quand même apprendre les compétences de leurs armes. Mais sans devenir trop cheaté niveau XP. Ça sert à ça. On a réussi, le Yasmol se trouve juste derrière. Comment se faire éradiquer une équipe? One Survivor, Blaireau. Blaireau a pris stock.
Tennessee a pris Sarge. Ah bah en fait je pensais que c'était ça là la mission d'avant. Bon d'accord, je sais pas le faire. Quel cri horrible, ce monstre est sûrement devenu fou. Bon, dites-moi que les mobs sont moins cheatés ici. 5. Non c'est bon, les mobs ont un niveau... comment dire ça, raisonnable. Toi tu dégages, même pas je te mets sur la map en... Ah oui, toi, je voulais te changer de job, toi. Te mettre en ennemi, pour que tu puisses apprendre des techniques pour XP, même quand tu tapes pas. Ou au moins essayer d'endormir les ennemis, quoi. Éliminez tous Pokémon. Non, non, c'est pas ça. Déjà qu'elle fait mal, alors là quand je lui fous stock. Tamiel. Non, te barre pas, j'ai prévu de te frapper avec Full Ciel. The fuck. Bon, j'ai une chance sur deux de le toucher. Bon, après la vidéo là, bah, je me lance dans le montage de tous les vidéos que j'ai lancé aujourd'hui. Dommage, loupé. Quoique non, il m'en reste encore une autre à faire avec Final Fantasy. Magie Noire, Brasier Plus, au revoir. Une fois qu'il a pris Brasier Plus, je repasse en mage. Blanc, pour qu'il apprenne le sort. Vie qui mérite d'être très utile vu que je fais que de crever ces temps-ci. Non, t'as loupé avec 71 de précision. Tu te fous de moi, le jeu. Tu te fous de moi. Quand t'as pas envie qu'un mob te fasse chier, tu l'endors. Ce qui est bien quand un mob est endormi, c'est que t'as 100% de chance de toucher. C'est ça qui est pratique. Pour ça, coup de bouton, je la prends toujours. Ah, là, là, maintenant, là, ça passe mieux les maps, là. Là, tu vois, là, quand t'as mon équipe, elle est bien, ça se passe super bien. Lui, pour l'instant, je m'en soucie pas. Ok, d'accord, j'ai rien dit. J'ai dit, il va pas venir avant un moment. Tu vois, là, ça me fait chier. Là, je vais gâcher. Tic-tic à sainé, quoi. Visé. Là, je fais du 52 dégâts. Je préfère faire ça, tu vois. Pour qu'elle le garde pour le gros mob. Je fais basse comme ça va rejouer un peu plus tôt.
comme ça va défoncer sa race à l'autre. Revette. Ah bien sûr, il m'achève. Alors lui, c'est toujours le premier mec à crever. Toujours. Ah, ils aiment pas mes moines. Ah, ils font que de me le tuer en premier. Toujours la première victime dans une map. Putain, il aime pas moi, mon pet. Hein. Il vous a griffé ou quoi, mon pet, pour pas que vous l'aimez à ce point? Eh bah, tant qu'à faire, étant donné que j'ai un mob. Voilà. T'as subir l'autre cuidance de la mort de mon pote. Ah là, tu vois, elle a joué très rapidement. Alors que ça faisait pas longtemps qu'elle avait joué. Je peux me dire, des 50 de dégâts, ça fait mal. Moi, j'aurais pas aimé me prendre ça dans la gueule, personnellement. Le mec en mode pute. Quoi de bouton ? Fais dodo. Voilà, fais dodo, donc pour l'instant, lui, il me fait plus chier. Comme ça, je m'occupe de la Nice. Voilà, la technique que je déteste. Tempête de ça. Est-ce que je me suis précipité? Oui. J'ai obligé de toucher un allié, j'ai pas envie de tuer un allié. Bon là il est réveillé le mob. Le mec en mode pute, tu pionces, tu fais pas chier, tu joues pas. Ça fait du spé facile en plus pour mon mec. Mais pourquoi les monstres deviennent-ils fous? Tu dois souvent ennemi des monstres cinglés. Oui, ce type de mission est plutôt fréquent. Vraiment? Mais d'où viennent leurs folies? Il y a plusieurs théories. Personnellement, je pense que c'est la faute des cristaux. Les cristaux? On raconte qu'ils sont fabriqués au palais et leur magie si puissante qu'elle affecte les bêtes. C'est dire qu'il y a un cristal est près d'ici. Proche d'ici, mais dans une dimension parallèle. On dit que les cristaux sont dans les replis du temps. Un pli dans le temps, c'est bizarre. Personne n'a appris de nouvelles comptes? Le chiffre 7, il est où? Pas possible. On peut pas avoir une rivière ici. Ma config, là, c'est une rivière?
Bon, tu m'excuses, mais toi, faut vraiment que je te change de job, hein. Tu m'excuses, mais là... Faut vraiment que t'apprennes... Vie. Ça peut être pratique pour Mont-Blanc, ça. En attendant. Donc sur ce, mes petites bestes, moi, je joue le sais. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Sur ce, salut et à la prochaine. Bye bye.